Lo sai perché sei qui? Eh? Dovevi uccidere una spia. E invece hai ucciso un barbiere. Bah, je sais pas, enfin moi je suis venu pour le FIFA. Regarder des films, ça a l'air sympa. Ascoltami bene adesso. Ti confido un'ultima missione. E sarà la tua ultima possibilità. Devi andare a FIFA, devi fare un reportage su di esso, devi dimostrare che il cinema italiano non è morto, altrimenti, se fallirai, sarai tu a morire. Chiaro? Ouais, ok. Situé au cœur de Rome, Cinecittà est considéré comme le Hollywood italien. C'est le lieu de tournage des films les plus cultes du cinéma italien pendant près d'un demi-siècle. Comme La Rosa Tatuata de Daniel Mann ou encore La Dolce Vita de Federico Fellini. Il est aujourd'hui menacé de destruction. En cause, malheureusement, la crise, qui empêche le ministère de la Culture de subsidier le cinéma et met en péril un patrimoine mythique. Mais, a priori, le cinéma italien a encore de beaux jours devant lui. La relève est assurée par de nouveaux réalisateurs tels que Marco Puccioni. Beh, diciamo che è uno dei motivi per cui... Une des raisons pour lesquelles Cinecittà est frappé par la crise, c'est que désormais, très peu de films sont tournés dans des grands décors. C'est dommage, car c'est ce qui cause l'arrêt des subsides octroyés à ce genre de studio. Moi, j'ai déjà tourné quelques fois à Cinecittà, mais juste pour quelques jours. Mais ça serait génial qu'un réalisateur y reste 3 mois, comme le feraient les Américains. Naturalmente adesso il destino di Cinecittà invece è molto incerto. Actuellement, le destin de Cinecittà est incertain. Il y a beaucoup de négociations qui ont lieu pour éviter la vente et la reconversion en hôtel ou d'autres choses. Riconvertirli in alberghi o altre attività. Ma io penso che la gente, il pubblico. Mais le public est toujours attiré par les belles histoires cinématographiques qui sont les manières les plus efficaces de faire passer un message. E continuerà ad esserlo perché una forma molto efficace di comunicazione per fare arte. Les moyens ont beaucoup changé. Grâce aux petites vidéos et à la grande accessibilité du cinéma sur Internet, le point de vue du public est modifié. En effet, le grand public est plus fréquemment amené à visionner des films sur son ordinateur plutôt que sur la télé. Ceci changera la perception du cinéma. La percezione e la posizione del cinema all'interno della società. E quindi il mestiere del regista. Donc à l'avenir, il faudra savoir s'adapter, se transformer pour suivre ce nouveau moyen de communiquer. Questo nuovo modo di comunicare. Pizza, pasta, peperoni, macaroni, sì, vongole, Maserati Fiat Punto e spaghetti. Bien. Pour cette fois-ci, tu auras la vie sauve.